Merci, Madame la Présidente. Alors, sous la précédente législature, Monsieur le Ministre, et notamment à l'initiative de mon groupe, la Chambre a adopté une résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique. Et dans ce cadre, le 4 avril 2019, devant la Chambre des représentants, le Premier ministre Charles Michel a présenté les excuses officielles de la Belgique aux métis issus de la colonisation et à leurs familles pour, je cite, les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Dans ce cadre également, la résolution énumérait de nombreuses requêtes adressées au gouvernement, comme la mise en place d'un mécanisme facilitant la consultation des archives coloniales belges par les personnes concernées et leurs descendants, ainsi que la déclassification d'éventuelles archives encore classifiées ayant trait à cette question. Et donc, Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser les questions suivantes. Quelles sont les suites données à cette résolution point par point? Je pense ainsi spécifiquement à la mise en place des propositions qui résulteront de l'étude complémentaire du CGSOMA, du point de contact SPF Justice, de l'érection d'une stèle commémorative, de l'accès aux dossiers personnels des métis coloniaux entreposés dans les archives d'institutions privées et notamment religieuses. Deuxième question, où en est la concertation en la matière, notamment avec votre collègue en charge de la justice, et plus particulièrement, dernière question, en matière de politique archiviste, qu'en est-il des archives africaines qui dépendent du SPF Affaires étrangères? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Meneer de minister, voor uw antwoord. Merci Madame la Présidente. Monsieur Benachour, une question d'organisation de nos travaux. J'ai une réponse qui est particulièrement longue parce qu'en fait je réponds à vos questions point par point et donc c'est assez étayé. Donc ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de vous transmettre la réponse. Je veux bien la lire, il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour l'après-midi, donc il ne faut pas hésiter là-dessus, mais c'est très long. Donc je vous propose peut-être de vous la transmettre en tant que telle, sachant que j'y réponds point par point. Voilà, faisons ça avec plaisir, pas de problème. Parfait. Merci.